paraît que t'as rencontré des chasseurs. Un ami m'a dit qu'il avait vu. Paul t'a tendu une embuscade. On dirait qu'il veut ta peau. Bonjour, AJ. Allez, par pitié. Ma vie est foutue. Thank you.
Qu'est-ce qui t'a pris, AJ? Touche pas à la drogue. Vraiment, c'est ça? Ces chants, c'était pas seulement de l'opium. Mais des livres, des médicaments. On aurait pu construire un hôpital. Mais non, Sabaldi, la drogue, c'est mal. Et toi, tu incendies notre putain d'avenir. Hé, c'était juste... Oh, mais pardon. C'est pas mon tour de parler. Tu veux que je marche 10 mètres derrière toi, la tête baissée? Tu n'as pas vu le Kirat avant la guerre? J'avais 6 ans quand mes parents m'ont dit qui j'allais épouser, 6 ans! C'est ce monde-là que Sabal voudrait revoir. Moi, je dis juste... Écoute, Sabal est du genre à bien cacher son jeu. S'il était aussi concerné par les traditions, pourquoi il t'a pas demandé de protéger les statues de Kira? Les statues de Kira. Paul a l'intention de les détruire. C'est une manœuvre pour monter le peuple contre le Sentier d'Or. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Thank you.
Vous voulez capter l'air ? Allez, j'ai pris l'air, première. Je vous envoie une lettre à votre famille. Voilà, plus fort. Coupez vos oreilles. Hé, toi ! Au boulot ! Thank you.
On y est. Mais il y a des cadavres partout. Sécurisez la zone. On arrive. On vient vous rejoindre. C'est fait. Merci, mon frère. Ces statues ont donné leur nom aux Kirat. Il est temps d'allumer les braseros, de leur rappeler à tous que Kira veille toujours sur eux. Sabal, comment je vais faire pour atteindre les braseros? Grimpe, mon frère, grimpe.
Hey Jay, il faut que je te voie. C'est important, mais je ne peux pas t'en parler à la radio. S'il te plaît, viens me voir à Shanat. Arrivé au pirate, je pensais qu'on pourrait faire le ménage ensemble. Dépoussiérer les étagères, tuer quelques terroristes. Le pirate a besoin d'un petit nettoyage de printemps. Renouveler un peu tout ça, etc., etc. Être un mercenaire, c'est pas fait pour toi, mon garçon. Pourquoi crois-tu qu'Amita et Sabal déploient tellement d'efforts pour te séduire? Ils ont peur de toi, AJ. Et ils ont bien raison. Ceci est un message du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Hé hey, je vais te laisser finir, mais Radio Frikirate, c'est la meilleure radio de tous les temps. Ouais, tous les temps. Vous écoutez Radio Frikirate et c'est grâce à mon pote qui a réussi à libérer presque la moitié des tours du pays. Ah, que la lumière de Pagan vous inonde de trous de balles. Si tant est que Chotou n'y soit pas déjà. Quoi, Chotou, te vexe pas, tu le fourres partout, ton sixième doigt. Et vous croirez jamais ce que j'ai vu l'autre jour. Un des nôtres monté sur un éléphant en train de dérouiller des soldats de l'armée royale. Ok, oubliez les chars les gars. Vous m'avez bien entendu. Je viens de vous dire, un putain d'éléphant. Il attrapait les soldats de l'armée royale avec sa trompe. Et il les envoyait voler comme des merdes. C'était génial. Désolé, je m'emballe un peu tout seul dans mon camion, mais c'est parce que je crois que j'avais jamais rien vu d'aussi dingue. Il manquait plus qu'un bon riff de guitare et un double... Non, encore mieux, un triple arc-en-ciel en arrière-plan avec une licorne qui bondit par-dessus. C'est vous dire comme on voit pas ça souvent. Écoute-moi, attention. Effectivement, LJ, tu es dans la région de Doppler. Il a une forteresse hautement sécurisée. Si tu l'attaques alors que Paul est encore là, tu risques de morfler. Restez attentifs.
celui qui a fait ça. Allez. Ok, bien compris. Restez sur vos gardes. Essayez de descendre. On sait d'où ça venait. Maintenant, trouvez-le. Restez sur vos gardes. Pas rien. Encore des rebelles qui viennent nous les briser. Un peu la gueule. Impressionnant, mon frère. Tu as pris la forteresse de Doppler. Aucun doute, le feu de Mohan est en toi. Alors serre-t'en pour faire brûler Paul. Sauvez-moi, pitié.
Content de te revoir. On peut pas rester ici à attendre alors que nos frères et sœurs sont entre les mains de Pagan Min. Et vous croirez jamais ce que j'ai vu l'autre jour. Un des nôtres monté sur un éléphant en train de dérouiller des soldats de l'armée royale. Ok, oubliez les chars les gars. Vous m'avez bien entendu. Je viens de vous dire, un putain d'éléphant. Il attrapait les soldats de l'armée royale avec sa trompe et les envoyait voler comme des merdes. C'était génial. Désolé, je m'emballe un peu tout seul dans mon camion, mais c'est parce que je crois que j'avais jamais rien vu d'aussi dingue. Il manquait plus qu'un bon riff de guitare et un double... Non, encore mieux, un... Thank you.
maintenant. Tu veux aller jouer dans l'arène, viande fraîche?